ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي من لدنك سلطانا مبينا. أما بعد، ندخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو باب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعض الآثار الدالة على أهمية التمسك بمنهاج النبوة. نعم، وهذا الباب تابع لما قبله، فقد أسرد المؤلف حفظه الله تعالى في الباب السابق الأدلة الشرعية على وجوب اتباع المنهاج النبوة. وقد ذكرنا من خلال الدرس السابق 12 دليلا على هذا الأمر العظيم. طيب، وفي هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى سننقل بعض الآثار، أي بعض الأقوال من السلف الصالح، نعم، في أهمية هذا الأمر، أي أهمية التمسك بمنهج النبوة. وستلاحظون إن شاء الله تبارك وتعالى أن الأمر منذ إغراعيل الأول والعصور المتقدمة واضح جلي عند علمائنا وعند المسلمين قاطبة. طيب، donc inshallah mes frères, on rentre dans un chapitre qui est dans la continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière ou il y a deux semaines, après que le shir al-mu'allif a cité des preuves légitimes ou légiférées du livre de la sunna du prophète ainsi que le consensus des sahaba sur l'obligation religieuse, al-wujub, l'obligation religieuse de suivre la voie prophétique. Quand on dit obligation religieuse, bien sûr, al-wujub, عند اصطلاح العلماء هو من قام به وثيب عليه ومن لم يقم به عقيب عليه أو يستحق العقاب. هذا هو تعريف الوجوب. Donc l'obligation, bien sûr, c'est celui qui l'applique sera récompensé sur ceci. Celui qui le délaisse volontairement en connaissance de cause, celui-là mérite le châtiment. Alors, parmi les athar que Al-Mu'allif a cité dans ce nouveau chapitre, le premier qu'il a cité, c'est un athar d'Abdillah ibn Mas'ud. Qala, هذا الصحابي الجليل, Abu Abdurrahman, Qala, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أي, كفاكم الله وكفاكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بما أغناكم عن اتباع غير سبيل الله وغير سبيل المؤمنين. فالإمام ابن مسعود قال أدي suivez et n'innovez pas, suivez اتبعوا ولا تبتدعوا et n'innovez pas, et ceci vous suffit. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre ou le prophète à travers sa sunna vous a tout expliqué ce qui devrait vous suffire à appliquer votre religion correctement et ne pas innover dans la religion. Voilà le sens de la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Bien sûr, ce athar a été rapporté par Darimi et il a été authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullahu al-jami'a. Il dit aussi Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui, je vous le rappelle, est un des sahabi les plus savants. Un des plus savants parmi les sahaba. قال أيضا إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. Ce qui veut dire, certes, nous suivons et nous n'innovons pas. De même qu'il a réitéré cette phrase, mais en d'autres termes. Puis il dit
Et nous ne serons jamais égarés tant que nous nous accrocherons aux traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est clair les frères. Cette phrase d'Abdullah ibn Mas'ud, elle constitue un fondement dans la religion. Et une voie, une méthodologie à suivre. قال أبي بن كعب الصحابي سأنا في الوكازيون دو فوار سو بروبو عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. Donc cette phrase de Abdullah de Obey ibn Ka'b رضي الله عنه qui nous dit: accrochez-vous à la voie et à la tradition. Il n'y a pas un serviteur qui s'accroche à cette voie-là et à cette tradition qui évoque le tout miséricordieux et que ses yeux pleurent de par la crainte qu'il a envers lui sans que le feu ne le touche jamais. Et la modération dans la sunna et dans le bien est meilleure que l'effort dans une autre voie que celle de la sunna. Hein? On a eu l'occasion de voir ce propos. Uthman ibn Hadir al-Asdi. Uthman ibn Hadir al-Asdi, rahimahullah ta'ala, qala, dakhaltu ala ibn Abbas radiyallahu anhuma, faqultu, awsini, faqala, alayka bil istiqama, ittabi' wa la tabtadi', ittabi' al-athar al-awwal. ولا تبتدع هذا الكلام يشبه كلام ابن مسعود نعم cet homme là Uthman ibn Hadir al-Asdi a dit je suis venu voir Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma et je lui ai demandé exhorte-moi conseille-moi alors il répondit sois sur la droiture suis et n'innove pas suis les traces des prédécesseurs et n'innove pas donc il a réitéré cette chose là Non. Donc vous voyez mes frères que cette chose elle est connue depuis les premiers temps. D'accord ? Et la mise en garde contre l'innovation religieuse ou le fait de suivre une autre voie que celle du prophète, elle était déjà en vigueur, cette mise en garde, au temps des Sahaba. Pour quelle raison ? Pour la simple et bonne raison que des divergences sont apparues alors que des Sahaba étaient encore vivants. Non. Et Ibn Abbas fait partie des dernières générations de Sahaba. Donc les Sahaba, ils ont mis en garde la communauté contre toutes ces déviances et toutes ces dissensions qui sont apparues dans la communauté. Wa qala Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala min at-tabi'in yaqul kanu yaqulun idha kana ar-rajulu 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Okay. Mohamed ibn Sirin a dit, rahimahullahu ta'ala, et il disait, il parle de qui ici? Sahaba. Lui c'est un tabi'i. Il parle de Sahaba. Non? Et il disait, Sahaba, lorsque l'homme est sur les traces, on dit qu'il est sur la voie droite. Fahu ala tariq. En fait, mes frères, ces phrases-là, ces expressions-là des salafs, elles n'ont pas besoin de commentaires, elles sont claires d'elles-mêmes. On pourrait se contenter juste de les lire et de s'imprégner d'elles. Car en fait, c'est comme ça que on arrive à comprendre l'importance du suivi et la gravité de la déviance et du non-suivi. C'est en lisant les versets coraniques qui s'y rapportent, les hadiths du prophète et à quoi les salafs qui sont nombreuses là-dessus. C'est à force de lire à quoi les salafs. Alors c'est comme ça qu'on arrive, que le cœur s'imprègne et comprend l'importance de ceci. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. Donc l'imam Sufyan al-Thawri min atba' al-tabi'in, il ne convient à personne de se gratter la tête sauf s'il s'appuie sur un texte ou un acte des salafs. C'est-à-dire que même dans les choses qui sont aussi insignifiantes que ça, l'imam Sofiane al-Thawri nous dit, même pour te gratter la tête, si tu peux le faire en t'appuyant sur une preuve d'Allah et du prophète, fais-le. Imaginez-vous un petit peu.
On aurait jamais pensé à ça si on n'avait pas lu la parole de cet imam, Sofiane al-Thawri. Il dit que sur des choses insignifiantes ou sur lesquelles les gens n'attachent pas d'importance, il peut y avoir des dalils du Coran ou de la Sunna. Si c'est le cas, alors appuie-toi dessus. Non, et prends-les comme référence afin que tu restes toujours sur la voie que le prophète a tracée, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez un petit peu leur attachement et leur amour pour la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, qala Abu al-Aliya min akabir al-tabi'in, il dit, alaykum bil amr al-awwal alladhi kanu alayhi qabla an yatafarraku. Il dit, accrochez-vous à l'amr al-awwal, c'est-à-dire à la religion première. Parce que l'âme ici, il a le sens de din. Non, il a le sens de din. Donc, accrochez-vous à la religion authentique, ou initiale, ou primaire. C'est-à-dire celle sur laquelle étaient le prophète et les compagnons. Celle-là qui était en vigueur avant que les gens se sont tafarraku, c'est-à-dire se sont divisés. Donc, il te dit, accroche-toi à ce sur quoi était les musulmans dans les premières générations. L'imam al-Awza'i, l'imam aussi, mais al-Ba'i al-Tabi'in, qui a dit, «Esbir nafsaka ala sunna», cette parole elle est importante, mashallah. Ils disent, «Esbir nafsaka ala sunnati, waqif haith waqaf al-qawm, waqul bima qalu, waqufa amma kaffu anhu, wasluk sabila sarafika salih, fa innahu yasa'u kama wasi'ahum». Patiente sur la sunna. Waqif, patience sur la sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mets de côté tes passions, tes sentiments, comme on l'avait vu il y a trois semaines, où certaines personnes se sont déviées de par leurs passions, en faisant prévaloir leurs sentiments sur des choses, et au détriment du suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'imam al-Azhar nous dit, «Isbir nafsaka ala sunna», mets ça de côté et patiente sur la sunna. «Waqif haith waqaf al-qawm», et arrête-toi où les gens se sont arrêtés. Et les gens ici, ils parlent de qui? Ils parlent des sahaba. Naam. Et arrête-toi où ils se sont arrêtés. Et dis ce qu'ils ont dit. Et abstiens-toi sur les choses sur lesquelles ils se sont abstenus. Wasluk sabil salaf kassalir. Et suis les traces ou le chemin de tes pieux prédécesseurs, sahaba. Wa man tabi'ahum bi ihsan. فإنه يسعك ما وسعهم, car il t'est permis de faire ce qu'il leur a été permis de faire. Il y a eu un débat qui s'est instauré entre un savant qui s'appelle Abi Abdurrahman al-Adrami min a'immat as-sunna, et en face de lui il y avait une des têtes du mazhab al-Mu'tazila qui s'appelait Ahmad ibn Abi Duad. Et il se trouve que ce Ahmad ibn Abi Duad, c'était un des conseillers de l'Wathir Billah. Beta, ce qu'on appelle Beta Natussou, le mauvais conseiller. C'est lui qui, auparavant, a convaincu Al-Ma'moun ou Al-Mu'tasim sur le Mazhab al-Irtizal. Et il a continué avec Al-Wathir. Il a eu un débat entre lui et l'imam Abu Abdurrahman al-Adrami. Alors, ce débat, il a eu pour sujet Mas'at al-Qur'an, Khalq al-Qur'an. Alors l'imam al-Adrami lui a posé une question très simple. Il lui a dit, هذا الشيء الذي تدعو الناس إليه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموا. Il lui a dit, la chose sur laquelle tu appelles, c'est-à-dire le fait de dire que le Coran est une créature d'Allah, est créé, que Allah ne parle pas, n'a pas la sifat al-kalam. Cette chose-là à laquelle tu appelles les gens, بل تعذب الناس به, et tu châties les gens même. Est-ce que le prophète le savait? Est-ce que le prophète était au courant de ça, de cette chose-là, que le Coran était créé, était une créature d'Allah, et ainsi que les compagnons, est-ce qu'ils étaient au courant, ou alors n'était-il pas au courant, ils ne le savaient pas? Alors il a dit, لا يعلموها, ils ne le savaient pas. Alors l'imam al-Adrami lui a dit, فشيءٌ لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلمته أنت. Il a dit une chose que le prophète et ses compagnons ne connaissaient pas, et toi tu la connais. ثم تراجع استدراكا وقائلا, استدراكا قائلا,
لا لا بل قد علموه. Donc là, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé, il a dit, non, non, il le savait, il le savait. Il a dit, si le débat il s'arrête là, il était mort. Tu prétends connaître une science que le prophète n'a pas, ni les compagnons. Il a dit, non, 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 il le connaissait. Il a dit, faqad alimu. Il lui a dit, هل وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ألا يتكلموا فيه وأن يسكتوا عليه. Il lui a dit, est-ce qu'il était possible pour le prophète ainsi que ses compagnons de se taire sur cette chose-là, de ne pas en parler? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Bien sûr, il leur était possible de se taire. Pourquoi il a dit il leur était possible de se taire? Car Ahmed ibn Abi Douad, il savait très bien que le prophète n'a jamais dit, n'a jamais appelé les gens à ça, ou n'a jamais parlé de ça, de dire que le Coran est créé. Ni lui, ni les compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu anhum. Donc, s'il avait dit qu'il ne leur était pas possible de se taire, l'imam al-Hadrami lui aurait dit, bah, ramène-moi la preuve dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Ahmed ibn Wadi? Il a dit, non, non, ils avaient la possibilité de se taire. Ils n'en ont pas parlé de ça. Alors, l'imam al-Hadrami lui a dit quoi? Fashay'un wasi'ahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu lam yasa'ka anta. Il a dit, une chose qui était en la possibilité du prophète ainsi que ses compagnons, ce n'est pas en ta possibilité ou en ton pouvoir. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas le droit de te taire, ou il ne t'est pas permis de te taire, alors que le prophète et ses compagnons, il leur était permis de se taire dessus. Vous avez compris? Donc il est resté bloqué. Et là, le khalif, al-Wathiq, qui était présent, il a été convaincu par l'argumentation de l'Adrami. Il lui a dit, La wasi Allahu man lam yasa'hum ma wasi'hum. Il lui a dit qu'Allah te donne jamais la possibilité d'être en désaccord avec le prophète et les compagnons. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Alors ici, il y a, pour prendre un petit peu les leçons de cette munaqasha, il faut savoir que il y a une méthode à appliquer dans le débat avec Al-Bida. Et c'est ce qu'on appelle une méthode par étape. La première étape, c'est de poser la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient au courant de ce que tu es en train de faire? Ça, c'est la première étape. S'il dit qu'il n'était pas au courant, alors le débat il s'arrête. Comment toi tu es au courant d'une chose que le prophète n'est pas au courant? S'il dit qu'il était au courant, alors là, on passe à la deuxième étape et on dit, comme l'a dit l'imam al-Hadrami, on dit, est-ce que le prophète a eu l'occasion, a eu la possibilité, Allah lui a donné la possibilité de se taire, ou alors Allah l'a obligé à transmettre cette chose-là? Alors, s'il dit Allah lui a obligé de transmettre cette chose-là, alors on lui dira, ramène-nous la preuve. Ati bid dalil, atu burhanakum in kuntum sadiqin. Et là, il ne pourra pas le faire. D'accord? Mais s'il dit, comme il a dit Ahmed ibn Abi Douad, parce que à chaque fois, il est acculé. S'il dit non, il aurait été possible de se taire et de ne pas propager cette chose-là. Alors, on passe à la troisième étape et on lui dit tout simplement une chose que le prophète avait la possibilité de se taire dessus, comment toi, tu n'as pas la possibilité de se taire dessus et tu appelles les gens à ça? Et le débat se termine avec ceci. Vous voyez? Donc, cette méthode-là, Inch'Allah, elle est applicable à toute époque et envers n'importe quelle personne des gens d'innovation. Et donc, je reviens à la parole de l'imam al-Awza'i qui disait « Isbir nafsaka ala sunna, waqif haythu waqaf al-qawm, waqul bima qalu, wa kaffu amma kaffu anhu, wasluk sabila salafika s-salih, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. » Qui veut dire « Patiente sur la sunna et arrête-toi où se sont arrêtés les gens, autrement dit Sahaba, et dis ce qu'ils ont dit, et abstiens-toi sur les choses sur lesquelles ils se sont abstenus, et suis la voie de tes pieux prédécesseurs, et il t'est permis de faire ce qui leur fut permis de faire. » Sahaba, prophète au Sahaba. Il a dit aussi l'imam al-Awza'i, « Alayka bi athari man salaf, wa in rafadaka al-nas. » وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي
وأنت منه على طريق مستقيم. Ce qui signifie, accroche-toi à la voie des salaf, même si les gens te rejettent. Et prends garde des avis des gens, et même s'ils venaient à t'embellir leurs propos. L'affaire s'éclaircit d'elle-même. Autrement dit, la vérité s'éclaircit d'elle-même. Et tu dois être sur ceci, sur une voie droite et claire. L'imam Ahmed a dit, écoutez bien, أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. L'imam Ahmed a dit, les fondements de la sunna pour nous, عندنا, il parle de qui ici, عندنا, يتكلم باسم من, باسم أهل السنة والجماعة. Non. Les fondements de la sunna pour nous, l'attachement scrupuleux sur ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de suivre leurs traces, et parmi aussi les fondements de délaisser l'innovation religieuse. Le mu'allif ramène ici une wasiya, c'est-à-dire une exhortation de Omar ibn Abdel Aziz al-Khalifa, al-Khalifa al-Salih, le calife pieux qui est connu pour sa piété. Calife al-Umawi, il a fait une exhortation à un homme en disant « Amma ba'du, usika bitaqwallahi, wal-iqtisadi fi amrihi, wa-ttiba'i sunnati nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam, wa-tarki ma ahdatha al-muhdithuna ba'dama jarat bihi sunnatuhu wa-kufu mu'natah, fa'alayka bi-luzumi sunnah. فإنها لك بإذن الله عصمة ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق صلى الله عليه وسلم فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أكوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وصية ذهبية. C'est une exhortation en or. Donc Abu Daoud a rapporté dans son Sunan d'après une chaîne de transmission authentique, remontant à Omar ibn Abdelaziz, al-Khalifatu al-Umawi, qui est né en l'an 61, il est mort en 101 de l'Hégire. Il était khalifa en 99 de l'Hégire, il était khalifa 2 ans seulement. En 101, il est mort. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il dit, je t'enjoins la piété envers Allah et la modération dans ceci, ainsi que le suivi de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et le délaissement de ce qu'ont innové les innovateurs après que sa sunna fût en vigueur. D'accord ? Après que sa sunna fût en vigueur. Accroche-toi à la sunna car elle sera pour toi une protection par la permission d'Allah. Ensuite, sache que nul n'a innové dans la religion sans qu'il n'y ait eu une preuve ou une exhortation contre elle qu'il l'a devancé dans le livre d'Allah ou dans la sunna. Car cette sunna fut mise en place par celui qui connaissait pertinemment l'erreur, la défaillance, la bêtise et l'entêtement de celui qui viendrait la contredire. Accepte pour toi-même ce que les compagnons ont accepté pour eux-mêmes, car ils se sont arrêtés sur une science et ils se sont abstenus des choses répréhensibles ou des paroles répréhensibles par une clairvoyance aiguë.
Ils étaient forts dans le décèlement ou le dévoilement des affaires et étaient plus à même que les autres dans ceci de par leur place et la faveur qui leur a été donnée. Si la guidée représente la voie sur laquelle vous êtes, là il parle, s'adresse indirectement au Ahl Bida. Si la guidée représente la voie sur laquelle vous êtes, alors vous les avez devancés, les compagnons. Mais si vous dites, ces innovations sont survenues après eux, après les Sahaba, alors elles ne sont survenues que de ceux qui ont suivi un autre chemin que le leur et de ceux qui se sont éloignés d'eux, leur préférant leur passion au suivi. Ce sont eux les prédécesseurs, Sahaba. Ils ont parlé sur la religion, sur ce qui était suffisant. Et ils l'ont décrit, ce qui était une guérison pour nous. Et il n'y a pas une chose à rajouter ou à soustraire sur ce qu'ils nous ont enseigné de la religion. Certains ont été négligents sur certaines choses et se sont éloignés par ce biais. Et d'autres se sont crus supérieurs à eux et ont exagéré par ce biais. Alors que Sahaba furent dans une voie de juste milieu et sur la vérité ou le chemin droit. L'imam Al-Ajuri, rahimahullah ta'ala, fi Sharia. Sharia, c'est un des livres qu'il a écrit. يقول علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام وما كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء ما شاء الله الإمام الأجري dit dans son livre الشريعة le signe de celui duquel Allah veut du bien. Vous connaissez tous ce hadith. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui duquel Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Hein? Donc, quand Allah veut du bien sur une personne, il l'instruit dans la religion. L'imam Al-Ajuri dit aussi, parmi les signes distinctifs des personnes desquelles Allah veut du bien, il y a le fait qu'il suit il est sur le cheminement de cette voie-là. Le livre d'Allah et les traditions de l'envoyé d'Allah, ainsi que les traditions des compagnons. لاحظوا يا إخوتي الكرام أن السلف الصالح قاطبة ربطوا بين سنة الله سنة رسول الله وسنة الصحابة دائما. Comme on l'avait vu, نعم, ils font toujours le lien entre eux, le prophète et les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. De même que المناقشة التي جارت بين أبي عبد الرحمن الأدرمي وأحمد بن أبي دؤاد المعتزلي. فلما سأله الأدرمي قال له هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. Donc il a fait lui aussi le lien entre les deux. D'accord? Ne pas faire comme les gens à notre époque. Certaines personnes disent As-sahaba hum rijal wa nahnu rijal. Ce sont des hommes, nous on est des hommes, ils peuvent se tromper, on peut se tromper, etc., etc. Et il légitime par ceci ou il cautionne par ceci le fait de se détacher de la voie des sahaba et de suivre leur passion. Non? Donc les salafs, ils avaient bien compris que la voie des sahaba, elle est en conformité avec la voie du prophète, et les deux, ils sont indissociables. D'accord? Donc, regardez bien et remarquez toujours que dans l'aqwa des salafs, il y a toujours ce lien entre sunnat rasulillahi wa tariqatus sahaba. Donc il dit, les signes, c'est que la personne suit le cheminement de cette voie, le livre d'Allah et les traditions de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les traditions des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de ceux qui les ont suivis dans le bien, et la voie sur laquelle furent les grands imams des musulmans dans chaque contrée jusqu'au dernier, comme l'imam Al-Awza'i, l'imam Sufyan Al-Thawri, Malik ibn Anas, l'imam Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Al-Qasim ibn Sallam, et ceux qui étaient sur une voie semblable à la leur, de même. Parmi les signes aussi, c'est le fait de s'écarter de toute école de pensée qui critique ou blâme ses savants. L'imam Abu Uthman al-Sabuni, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dans son livre a dit, Aqidat al-Salaf, qui est aussi un livre référence, يقول
يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا بأيهم اقتدوا اهتدوا ويقتدون بسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. Ce qui signifie, l'imam Abu Othman al-Sabbouni, a dit dans son livre Aqidat al-Salaf, ils suivent les pas du prophète. Donc ici, il est en train de décrire les gens qui se revendiquent de la sunnah, de Ahli Sunnah wal-Jama'a. Ils disent, ils suivent les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui sont comparables à des étoiles dans le ciel. Dès lors qu'ils les suivent, ils se guident. Dès lors qu'ils les suivent, ils se guident. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cette comparaison. Naam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed ou un muslim d'après Abu Musa al-Ash'ari, lorsque le prophète avait levé sa tête au ciel, et il avait dit, النجوم أمانة للسماء. Les étoiles, elles sont une garantie pour le ciel. C'est-à-dire que dès lors que les étoiles restent en place, c'est une garantie que le ciel restera en place. Dès lors que les étoiles s'éteindront et disparaîtront, alors on saura que le ciel disparaîtra. Et par rapport à ceci, le prophète, il dit, وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي. Et moi, je suis une garantie pour mes compagnons. Tant que je serai vivant, mes compagnons seront sur la voie droite. Ou seront sur une voie claire. Dès lors que je vais mourir, alors les dissensions apparaîtront dans la communauté. De même que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et mes compagnons sont une garantie pour ma communauté. Dès lors qu'ils seront là, alors ce seront une référence pour les gens. Ils serviront de référence pour les gens. Dès lors qu'ils mourront les uns après les autres, alors les dissensions, les innovations religieuses, les discordes entre les musulmans, toutes sortes de choses répréhensibles apparaîtront dans la communauté à plus ou moins grande échelle. Effectivement, c'est ce qui s'est réellement passé. D'accord ? Donc, ici, l'imam Abu Othman al-Sabbouni a dit فَأَيِّهِمْ اُقْتَدَوْا اِهْتَدَوْا. Si on s'en tient au suivi des compagnons, alors on peut être sûr, mes frères, qu'on est sur la voie droite. Non ? Et ils suivent les pieux prédécesseurs parmi les grands imams de l'islam et les savants des musulmans. Et ils s'attachent à ce sur quoi ils se sont attachés, c'est-à-dire les compagnons et les prédécesseurs, concernant la religion et la voie et la vérité claire et évidente. Non ? Wa qala al-Lalaka'i. Il n'y a pas dans le livre d'Allah le Très-Haut, ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les traces des compagnons, un verset, un hadith ou un propos qui n'enjoigne au suivi, c'est-à-dire qui appelle au suivi. Et sans qu'il n'y ait aussi une réprobation à toute pénibilité, ici, à takalluf, à pénibilité, c'est-à-dire le fait de se donner du mal dans les choses où il n'y a pas lieu de se donner du mal. Le fait de discuter sur des choses où la raison n'a pas sa place. Comme ce qu'avait fait Al-Mutafalsifa, ou Ahlul Kalam, qui était rentré dans des considérations que même le commun des gens ne comprenait pas. Et ça, c'est se donner du mal sur des choses où il n'y a pas lieu de se donner du mal. Et c'est pour ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال هلك المتلطعون هلك المتلطعون هلك المتلطعون. Que périsse ou malheur ou perdition pour المتلطعون. C'est qui المتلطعون? كما قال العلماء هو المتشدقون المتعمقون. C'est ceux qui cherchent à aller dans la profondeur des choses alors que il nous est pas demandé d'aller aussi loin. Il nous est pas demandé de nous fatiguer dans ces choses-là. Par exemple, une chose où il ne nous est pas demandé de discuter, c'est comment est Allah dans sa réalité. Donnez-moi un seul verset du Coran, un seul hadith du prophète, une seule parole d'un compagnon qui nous enjoigne ou qui nous recommande ou qui nous dit juste que c'est permis de discuter sur cette chose-là. Vous ne trouverez pas. Toutes les innovations religieuses renvoie au fait que les gens ont parlé sur Allah sans science ou sur la religion d'Allah sans science. Donc, il n'y a pas dans le livre d'Allah, le Très-Haut, ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les traces des compagnons, sans qu'il y ait un texte qui nous enjoint au suivi, qui nous incite au suivi, et aussi sans qu'il y ait une réprobation à toute pénibilité, futile et non voulue, et ainsi qu'une réprobation des innovations.
Celui qui s'en tient à ses traces fait partie des suiveurs. Et il dit quelque chose d'important ici. Il est plus à même d'être nommé les suiveurs ou ceux qui suivent le prophète. Et les plus en droit d'être décrits ainsi et qualifiés ainsi, ce sont les gens du hadith, ashabul hadith. De par leur particularité vis-à-vis de l'envoyé d'Allah, du suivi de ses propos, de ses ordres, de la compagnie vis-à-vis de lui, c'est-à-dire tous les mulazama, c'est-à-dire le fait qu'ils l'ont côtoyé de nombreuses années, donc les compagnons, du fait qu'ils ont porté sa science et ont préservé ses respirations et ses actes, c'est-à-dire dans ses moindres détails, ils ont préservé sa sunna. Ils ont appris l'islam directement de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et ses actes religieux de visu, c'est-à-dire ils ont vu de leurs propres yeux l'application même du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sait très bien que la personne qui voit une chose, elle n'est pas comparable à celui qui l'a entendue. Et ceci, ça relève d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Ahmed et authentifiée par Cheikh Al-Albani, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, laysa al-mukhbaru bika al-mu'ayyan. Celui qui a vu n'est pas comme celui à qui on a rapporté l'information. Donc les compagnons ne seront jamais comparables aux générations suivantes. Pourquoi? Car ils ont vu l'application de l'islam en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que dit ici l'imam Al-Lakai. Il dit, ils ont appris l'islam directement de lui, c'est-à-dire sans intermédiaire. Et ils ont visionné les actes religieux en la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun intermédiaire entre lui et eux. Ils ont vécu ces choses-là de leurs yeux et ils les ont apprises de sa bouche, de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont déclaré véridique tout ceci et ils ont été sincères en remplissant leur cœur de certitude sur ces choses-là. Non? Donc mes frères, tous ces textes-là, et ce qu'on avait vu auparavant concernant les preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète, doivent nous rendre convaincus de la voie à suivre. La voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Je vous ai laissé sur le voie claire. Layluha kanahariha, la yaziru anha illa halikun, kitabullah wa sunnati. Elle est aussi claire de nuit comme de jour. Hein? Nul ne s'en égarera si ce n'est celui qui est voué à sa perte. Et cette voie-là, c'est quoi? C'est le livre d'Allah et ma sunna. Hein? Hadith rapporté par Ibn Majah, authentifié par Hadith Sahih. Authentifié par Cheikh Al-Albani, entre autres. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din wa subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. وقل رب زدني علما